Docteur Ilyes Merabet, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie vit des moments importants de son histoire pour l'édification d'un état de droit dont la justice sociale est le principal fondement. Les syndicats ont un rôle important puisqu'il est dit que le syndicalisme ne peut pas prétendre absorber l'État. Il ne doit pas non plus être absorbé par lui. Le syndicalisme, mouvement professionnel et non politique, doit jouer exclusivement son rôle économique et social et de défendre les intérêts de la production des travailleurs. Vous partagez ce point de vue? Ah, tout à fait, Merabet. Tout à fait, entièrement. Et je pense que c'est bien de préciser que le syndicat a vocation à défendre les intérêts moraux et matériels de ses adhérents, donc des travailleurs, mais aussi de l'outil de production, qu'on soit dans un secteur économique ou qu'on soit dans un secteur prestataire comme le secteur de la fonction publique. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays, on est interpellé à un niveau plus haut, qui est le niveau de la revendication politique au nom du citoyen que nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est interpellé plus que jamais pour être là où il faut, donc au sein au milieu de la population, au sein justement de ce mouvement populaire pacifique qui se poursuit depuis le 22 février jusqu'à présent. Et je pense que la revendication principale, aujourd'hui, elle est au-dessus, elle a vraiment dépassé la revendication sociale. Alors, votre volonté aujourd'hui, mettre fin à certaines pratiques comme l'exclusion, M. Merabet? Tout à fait. Moi, je précise que le Syndicat national des praticiens de santé publique, qui est membre fondateur de la Confédération des syndicats algériens, a déjà, à travers un communiqué qui a été rendu public et qui date du 12 mars passé, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce de M. Bouteflika, l'ex-président, voilà. De sa démission de sa décision de ne pas se présenter justement comme au cinquième mandat. Et nous avons rendu public un communiqué où nous avons tout simplement dit non à toute prolongation justement du mandat. Et nous avons demandé qu'il y ait une rupture avec le mode de gestion des affaires de l'État et aller vers la mise en place justement des assises de la nouvelle République que nous souhaitons pour notre pays, pour l'Algérie, une République de la justice sociale, une République de l'égalité devant les droits et les obligations, et une République aussi des libertés démocratiques dans le cadre justement de l'appel du 1er novembre. Et je pense que c'est dans ce sens et c'est dans cette dynamique qu'on s'inscrit et que s'inscrit la plupart des Algériens. Alors, inclusion des syndicats, tous les syndicats dans le dialogue qui doit suivre aujourd'hui, sans exclusion, sans favoritisme de l'un par rapport à l'autre? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est interpellé à différents niveaux. Et je pense que au niveau syndical, donc au niveau du dialogue social, puisque lorsqu'on parle de l'organisation syndicale, c'est construire un véritable dialogue social. On le dit, un véritable dialogue social, parce que ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui. Le dialogue social qui a été au nom du gouvernement, au nom des syndicats des patrons, mais surtout au nom d'un seul syndicat, une seule centrale syndicale, qui représentait les travailleurs durant pratiquement toutes ces années, n'a pas été celui escompté par les travailleurs que nous sommes, mais surtout par les militants syndicalistes qu'on représente. Et il n'a pas permis, justement, ni à l'économie de décoller, donc de s'installer dans sa diversification afin de nous émanciper de cette économie adossée aux hydrocarbures par rapport à la rente que nous avons toujours dénoncée, parce que nous avons de l'argent, mais l'économie n'arrive pas à décoller, n'arrive pas à se diversifier. Et aussi par rapport à beaucoup de questions qui ont trait aux droits des travailleurs, à la condition du travail. Et nous considérons que cette tripartite ou ce dialogue social conçu justement pour servir les intérêts des patrons, mais surtout aussi pour accompagner et accomplir les politiques des différents gouvernements, n'a pas rendu vraiment service aux travailleurs et n'a pas apporté des solutions aux différents secteurs. Mais justement, cette exclusion à tous les niveaux du dialogue a été négative selon vous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il faut corriger ce que vous considérez aujourd'hui comme une sorte d'exclusion. Il est indispensable. Je ne veux pas être prétentieux et dire que l'activité des syndicats autonomes, le combat des syndicats autonomes, la lutte syndicale a été pour ce mouvement populaire ou ce soulèvement populaire pacifique que nous vivons actuellement dans notre pays. Mais je dois le dire aussi que les syndicats autonomes, quand même, ont été pendant plus d'une dizaine d'années sur le terrain de la protestation,
et de la sensibilisation aussi, mobiliser les citoyens autour d'axes principaux, notamment la liberté d'expression, parce que l'on parle, lorsqu'on parle de la liberté d'expression, y compris la liberté de dire non, qu'on n'est pas d'accord avec des décisions qui sont prises, qu'on dénonce des situations de précarité dans le travail, qu'on dénonce l'absence du dialogue, dénoncer l'entrave à l'exercice syndical, le recours à la justice pour empêcher les travailleurs justement d'exercer le droit de grève, la négociation et les espaces de négociation pour lesquels les syndicats autonomes ont été toujours exclus. Et là, entre parenthèses, je ne parle pas des discussions, des concertations qui sont mises à la disposition des différents syndicats au niveau sectoriel, parce que même à ce niveau-là, nous constatons que c'est un premier niveau justement de discussion et de débat à travers lequel on n'arrivait jamais justement à des solutions et on n'arrivait jamais à faire avancer le débat dans l'essentiel parce que tout simplement, c'était plafonné. Mais le droit syndical est aujourd'hui constitutionnalisé, mais dans les faits, est-ce qu'il en a été autrement dans la pratique? Ben oui, dans la pratique syndicale, pays. La pluralité syndicale, jusqu'à présent, c'est un concept, oui, effectivement. La Constitution prévoit ça, les lois de la République, la loi 90-14 notamment, des années 90, et d'autres lois inscrivent cette pluralité syndicale, mais malheureusement, dans les faits, dans la pratique, c'est pas le cas. C'est pas le cas tout simplement parce que le gouvernement, les politiques, les décideurs de notre pays ont préféré maintenir justement cette pluralité syndicale au niveau de l'expression. Donc au niveau de la pratique, comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'entraves et beaucoup de blocages, et avec plusieurs moyens, y compris justement, je le dis, je le répète, le recours à la justice pour empêcher justement des syndicats autonomes d'exercer librement et de fonctionner librement, l'ingérence de l'administration dans des affaires justement syndicales, lorsqu'on n'est pas autorisé à organiser des assemblées générales, lorsqu'on n'est pas autorisé à organiser, à tenir un congrès d'un syndicat malgré qu'il est enregistré, c'est-à-dire en parenthèse agréé, lorsqu'on voit qu'il y a des organisations syndicales qui attendent d'être enregistrées, c'est-à-dire agréées pendant des années, les dossiers traînent et je vois que dernièrement, à travers le gouvernement qui a été installé et qu'on ne reconnaît pas, je tiens à le préciser en tant que syndicat autonome, mais quand même, il y a une déclaration au nom de ce gouvernement disant que les dossiers vont être réétudiés, y compris pour les syndicats qui attendent d'être enregistrés depuis des années. Donc, je pense le recours, les poursuites judiciaires, justement, qui touchent plusieurs cadres syndicaux et plusieurs militants dans des syndicats autonomes, mais aussi, et c'est important de le dire, des cadres syndicaux licenciés. Je cite, par exemple, nos collègues du syndicat autonome des postiers, dont le premier responsable est le chargé de la communication, sont suspendus depuis 4 ans, malgré qu'il y ait une décision de justice en leur faveur qui recommande à l'employeur, c'est-à-dire à l'entreprise des postes et des communications, de les réintégrer. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors, rompre avec la légitimité historique et prendre en considération l'émergence de nouveaux mouvements syndicaux aujourd'hui, c'est impératif? Oui, je pense. Pour nous, c'est clair. Lorsque je parle des syndicats autonomes, on a commencé à se mettre en place, à s'organiser, à se structurer à partir des années 90. Et c'était bien sûr avec l'avènement de la Constitution de 89 et les lois sociales de 90. Et nous avons été, bien sûr, nous avons été plusieurs dans différents secteurs à installer des syndicats autonomes. Et je pense que si on était à l'aise, si on se voyait vraiment représenté dans le cadre de l'Union générale des travailleurs algériens, on n'aurait pas pensé à s'organiser autrement. Mais vous êtes aujourd'hui fédéré dans une confédération des syndicats algériens. C'est une confédération qui est composée actuellement de 13 organisations syndicales de différents secteurs d'activité. Est-ce que vous pouvez élargir, bien sûr, votre mouvement à l'UGTA? Ou alors il faut rompre avec l'UGTA ou composer avec l'UGTA? Non, pas du tout, pas du tout. Vous aurez l'occasion justement de dire quelque chose d'important. Par rapport à l'UGTA, premièrement, je tiens à dénoncer voilà, ce qu'ont vécu des militants syndicalistes affiliés à l'UGTA en protestant devant la centrale syndicale samedi passé. Et je pense que voilà, il y a des cadres syndicaux qui ont été embarqués
et d'autres qui ont été malmenés, tout simplement parce qu'ils demandent qu'il y ait un changement, qu'il y ait une réforme au niveau de cette organisation. Et c'est une occasion pour nous pour dire que non seulement nous réitérons notre soutien, nous dénonçons ce qui s'est passé, et nous sommes pour la liberté syndicale, même si on n'est pas organisé dans le même espace. Mais pour l'UGTA, il n'est pas question pour nous qu'elle disparaisse. Au contraire, nous voulons renforcer le champ syndical à travers la mise en place de nouvelles confédérations, de nouvelles unions. On est très en retard, y compris, si ce n'est par rapport aux pays voisins. Je parle de la Tunisie et le Maroc. Pratiquement, au Maroc, il y a une douzaine de centrales syndicales actuellement, entre confédérations et unions. En Tunisie, il y a quatre confédérations, alors qu'au début de la révolution tunisienne, on était avec une seule, donc l'UGTT. Maintenant, c'est quatre confédérations et une cinquième bientôt qui va être mise en place. Pourquoi en Algérie, jusqu'à présent, on est seul avec une seule union syndicale? Mais est-ce qu'on pourrait aller vers une union syndicale qui fédère aussi autour d'elle toutes ces organisations syndicales aujourd'hui, comme cela se fait dans tous les pays du monde? Vous avez par exemple l'exemple français, vous avez cité aussi l'exemple tunisien qui était à l'origine justement de la révolution tunisienne. Tout à fait. Malheureusement, enfin, pour la révolution pacifique ici chez nous en Algérie, l'UGTA ne pouvait pas le faire parce que tout simplement elle avait accompagné, donné son quitus, son feu vert à toutes les décisions prises en tripartite. Je pense que les décisions de la tripartite ont beaucoup contribué justement à faire sortir les citoyens dans la rue. Par rapport à, si je peux ajouter une chose par rapport à cette question, nous sommes favorables, déjà pour la Confédération, c'est amené à être élargi à d'autres secteurs d'activité, donc les travailleurs sont les bienvenus, les organisations syndicales qui sont sur place sont les bienvenus si elles veulent s'affilier à cette Confédération, mais aussi nous voulons travailler en concertation et en concert avec l'UGTA sur des questions qui nous intéressent tous. Composer avec tout le monde. Alors, avènement d'une nouvelle République, les résolutions aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait s'organiser, mettre en place une plateforme pour aller vers des négociations et des discussions? On n'a pas le choix. On ne peut pas se ramener à 40 millions d'Algériens justement pour poser des problèmes et pour négocier, pour discuter. Je pense que la masse, lorsque je parle des millions d'Algériens qui ont été dans la rue, elle a bien fait justement de tracer les grands axes par rapport à une plateforme de revendication que nous sommes amenés, nous, en tant que société civile, syndicats, associations, mais aussi partis politiques, personnalités, représentants de ce mouvement populaire, à organiser, à mettre sur une plateforme de revendication et pouvoir aller rapidement, même si c'est sur des étapes, négocier des solutions et trouver des mécanismes pour mettre en place justement ces résolutions décidées au nom du peuple algérien. Alors, structurer le mouvement populaire, de l'organiser, désigner des représentants pour passer d'une révolution à une évolution, une construction, une république démocratique juste basée sur le savoir. Sur le savoir, la compétence, sur la justice, sur l'égalité, sur les libertés. Structurer le mouvement, c'est important aujourd'hui pour passer à une phase, nouvelle étape. Je pense que le mouvement, c'est tout à fait naturel. Et c'est dans tous les pays du monde, dans toutes les situations où nous avons eu affaire à des mouvements populaires, ça s'organise de cette manière. Ça commence pratiquement dans le chaos. Ça s'organise de plus en plus au fil des temps. Nous sommes loin du chaos. Ça se lance, ça peut être lancé un peu d'une manière désorganisée et un peu à l'emporte-pièce. Et chacun est en train de faire avancer ses revendications et ses problèmes. Mais nous n'avons pas le choix, donc on doit s'organiser autour de quelque chose de concret en matière de plateforme et dérouler l'essentiel des revendications pour pouvoir les négocier. Alors, docteur Elias Merabet, changement de système, cela implique quoi exactement pour vous? C'est rompre totalement avec l'ancien système? Déjà, ne plus voir certaines personnes, certains responsables qui ont été justement derrière la situation qui a poussé les Algériens, hommes et femmes, vieux et jeunes, à sortir dans la rue, y compris des enfants. Je pense que ça, c'est important, c'est indéniable. Il faudrait apaiser les esprits, il faudrait laisser des signes justement de bonne volonté, des signes d'apaisement, et je pense que ça doit passer par là. Et la rue le dit clairement, donc on ne veut pas de X et de Y, et je pense que c'est au niveau des partis politiques, il faudrait aussi qu'il y ait, une opération de toilettage, il faudrait donner aussi, laisser cette impression de vouloir changer, y compris dans le comportement des uns et des autres. Changer le système, c'est changer de mentalité, de comportement aussi, donc... moi, ce que j'aime, ce que j'apprécie dans le mouvement actuel, c'est que les Algériens, vraiment,
démontre un niveau de civisme incroyable qu'on ne pensait pas réellement exister dans notre société. Maintenant, on est cité en exemple dans beaucoup de pays. Je pense qu'il faudrait préserver ça, il faudrait consolider tout ce qui change positivement dans notre pays. Mais je pense que c'est aux responsables de donner l'exemple. Voilà, il faudrait des changements à tous les niveaux. Revenir concrètement et passer à autre chose, je pense qu'on doit revenir rapidement à une situation de légitimité, de légalité. Moi, personnellement, je suis pour aller organiser, dans des conditions qu'on doit réunir, bien sûr, des présidentielles. Et le président, le futur président, doit dans son programme s'engager justement à mettre en place un projet de révision d'une constitution dans laquelle tous les Algériens, toutes les Algériens se retrouvent ou se retrouveraient. Et je pense aussi mettre en place, avant les présidentielles, j'ai parlé des conditions, donc revoir la loi sur la loi et le code électoral, la mise en place d'une commission composée indépendante, composée de magistrats, composée de personnalités qui adossées à une certaine crédibilité, mais surtout qui ont le cautionnement de la population, des Algériens, moi je fais des Algériens, mais aussi des représentants justement de ce mouvement populaire au niveau des wilayas. Tout le monde doit s'impliquer, comme on l'a fait si bien jusqu'à présent, pour que la voix du peuple soit préservée, soit garantie, et ne soit pas justement déviée dans son expression. Donc je pense que c'est une condition, c'est une vision des choses que peut-être que d'autres citoyens, d'autres Algériens ne partagent pas, mais je pense que on n'a pas vraiment intérêt à trop durer dans cette situation. Je ne dirais pas de précarité politique, mais surtout une situation dangereuse qui pourrait s'ouvrir sur des horizons porteurs de problèmes ou de situations conflictuelles dans notre pays. Alors justement, vous parlez de situations conflictuelles, de situations dangereuses qui pourraient peut-être mener vers des dérapages. Qu'est-ce que vous craignez le plus aujourd'hui, docteur Merabet? Là, je suis en train de constater que depuis le 22 février, moi personnellement, j'étais pas dans la rue. J'étais pas dans la rue pour des considérations propres qui ont fait que j'ai pas pu être à Alger. Mais depuis le vendredi d'après, donc le premier, je n'ai pas raté une sortie sur Alger. Mais bon, sauf celle du 5 février, et là je vous donnerai l'occasion de rendre hommage encore une fois et présenter toutes mes condoléances à la famille du défunt M. Idir Achour, un frère et un compatriote, et un patriote aussi avec lequel j'ai travaillé en tant que syndicaliste. J'ai connu dans la lutte syndicale, dans le combat syndical, et Rabbi Rahmou, je pense que voilà, on est obligé de syndicaliste du CLA. Syndicaliste du CLA, et le CLA est membre, une organisation membre dans la Confédération des syndicats algériens. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la situation a beaucoup évolué entre ce qui a été porté par le mouvement comme revendication le 22 février, non au cinquième mandat, où il y a un changement, et dénoncer la corruption et la mauvaise gestion. Actuellement, on est sur des revendications vraiment qui se sont élargis, qui se sont diversifiés, et c'est difficile justement à circonscrire justement toute cette demande. Et c'est pourquoi nous constatons personnellement avec d'autres que plus on est en train de durer justement dans cette situation, plus les revendications s'accumulent et plus ça sera difficile justement de contenter tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faudrait recadrer, il faudrait recentrer un petit peu le débat et revenir à l'essentiel en termes de revendications. Je pense que la rupture avec le système de gestion qui a été justement pour les affaires du pays pendant toutes ces années, je pense que c'est un fait et c'est quelque chose d'essentiel qu'il faudrait prendre en charge et en considération, et c'est pas fait jusqu'à présent parce que ça doit passer par le départ de responsables qui ont été à la tête des différents secteurs, à la tête des différents postes de responsabilité, et c'est pas fait. Il n'y a qu'à voir la position des Algériens par rapport à l'intronisation de M. Ben Salah à la tête comme chef de l'État.
par rapport à l'application de l'article 102. M. Bedoui à la tête du gouvernement, un gouvernement que les Algériens ne veulent pas, ne reconnaissent pas, et y compris aussi pour d'autres personnalités ou d'autres responsables. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il est essentiel d'avancer, et concrètement, on ne voit pas que les choses avancent, mais pour certaines revendications, je pense qu'on peut, les laisser à une étape qui va venir, où on sera plus à l'aise, plus apaisé, même sur le plan économique, plus dans une situation plus sereine pour pouvoir aborder certaines questions qui ne sont pas vraiment essentielles et urgentes pour nous aujourd'hui. La nécessité de structurer le mouvement populaire pour désigner des représentants et aller à des négociations pour les étapes prochaines, telles que vous le dites actuellement, tout de suite, là, docteur Elias Merabet. Je pense que c'est... Ou alors les interlocuteurs, ils sont connus. Non, les interlocuteurs sont connus, non, je pense pas. Et personne ne peut le dire. Je pense que ce qu'on est en train de constater, et on est dans un dilemme, hein, on est dans un dilemme. C'est vraiment difficile à sortir de cette situation parce que d'une part, tout le monde dans la rue le dit clairement, personne n'a le droit de représenter justement ce mouvement populaire, mais aussi tout le monde aujourd'hui dit que voilà, on est inquiet, il faudrait sortir de cette situation le plus tôt possible et trouver des mécanismes. Donc les mécanismes, comment les trouver si on n'identifie pas, on ne mandate pas des personnes pour justement négocier, discuter, porter la voix du peuple dans le cadre d'une négociation. Mais justement, ce qui est relevé aujourd'hui, docteur Merabet, c'est qu'il n'y a ni personnalité, ni parti politique, ni syndicat qui sont représentatifs de ce mouvement. Est-ce qu'on peut considérer que ça peut mener vers des dérapages? Ou alors c'est une crise de confiance qui est profonde parce que tout le monde à ce niveau-là a failli? Ça c'est le système qui a produit justement toute cette situation. Donc la crédibilité de ceux qui représentaient le système pendant toutes ces années, je le dis, elle ne fonctionne plus. Le peuple, donc les Algériens ne veulent plus voir certains responsables, donc les écouter, c'est utopique. Par rapport aux syndicats autonomes et par rapport à certaines associations, certaines personnalités politiques, je pense qu'il y a une acceptation quand même, mais le fait est que pour l'instant, les Algériens qui sont dans la rue pensent que c'est un peu trop tôt pour désigner ou mandater ou proposer des personnes et des personnalités justement pour parler en leur nom. Mais je pense honnêtement qu'il faudrait aller dans ce sens et... Je dirais pas rapidement, mais il faudrait commencer à s'installer dans cette logique parce qu'il n'y a pas une autre issue de sortie. On est obligé de négocier, de discuter. Il faudrait choisir justement les personnes que nous jugeons capables de mener ce débat, capables de mener cette négociation, et des personnes justement mandatées pour prendre des décisions au nom de cette population qui est de ces Algériens qui sont dans la rue. Aujourd'hui, continuer à annuler toutes les situations que nous avons vécues, mais surtout annuler toutes les personnes et toutes les voix qui pourraient justement s'exprimer pour accompagner et négocier en notre nom, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Il faudrait revoir ça et trouver les mécanismes. Comment désigner ces personnes? Je pense que la meilleure des façons, c'est d'aller de revenir au vote, donc aux élections, et c'est pour cela que personnellement je suis pour aller organiser des élections présidentielles, bien sûr après avoir réuni les conditions d'une élection transparente et où la voix du peuple soit préservée et protégée, et revenir à la légalité, et le président de la République, ce futur président de la République doit s'engager justement à organiser les élections au niveau local afin de ramener les personnes qu'il faut au niveau local, que ce soit au niveau des APC, au niveau des APB, au niveau de l'Assemblée, et pouvoir, dans une seconde étape, rediscuter une constitution où tous les Algériens se retrouvent. C'est la raison pour laquelle il y a l'article 7 et 8 de la Constitution. L'article 7 dit que la souveraineté est exercée exclusivement par le peuple, mais vous avez par la suite l'article 8 qui dit que cette souveraineté est exercée par le voix des urnes où le peuple désigne ses représentants. Tout à fait. Nous, on focalise énormément sur le 7, mais on oublie de lire avec précision l'article 8. Et là, vous me donnez, si vous permettez, vous me donnez juste une deux secondes pour dire que... Parce que là, au niveau du débat... Il faut expliquer les deux à la fois. Oui.
Le 7 et le 8 à la fois. Et ben le 7... sont indissociables. Non, il faut les expliquer, c'est-à-dire de telle sorte à ce qu'on on comprenne leur portée. Je vous ai dit, l'article 7, c'est la souveraineté est exercée exclusivement par le peuple. Mais l'article 8, il est dit que le peuple exerce cette souveraineté via les urnes pour désigner ses représentants. Il explique justement, l'article 8 explique les modalités, donc les moyens à travers lesquels justement cette expression voilà, du peuple par rapport à ce qu'il veut concrétiser, les choix qu'il veut laisser, il peut les exercer, mais les modalités sont précisées justement dans cet article 8, c'est-à-dire revenir au scrutin, revenir au vote pour désigner ses représentants. Et je pense que c'est la meilleure des façons pour donner la voix à tous les Algériens dans la possibilité de s'exprimer et de choisir en toute légitimité, en toute transparence, le représentant. Et on ne peut pas le faire dans la rue, je le dis de cette manière, parce que tout simplement, soit on laisse de côté cette constitution, parce qu'il y a ceux qui prennent justement cette voie, on ne parle plus de cette constitution qui a été violée, violentée pendant des années, mais les mêmes, je le dis, hein, les mêmes qui sont en train de le dire aujourd'hui, certains, quand même, voilà, se sont organisés, ont fonctionné au nom de cette constitution, même si elle a été violée, violentée durant toutes ces années. Ils ont été au niveau des partis politiques, ils ont été au nom des associations, ils ont été au niveau des syndicats, ils ont été au niveau des mandats localement. Donc je pense qu'il y a deux manières de faire. Soit essayer de trouver dans le consensus des solutions à travers la constitution telle qu'elle est, avec ses failles, avec ses défaillances, mais en accompagnant justement avec des solutions politiques, et je pense que il y a moyen de faire beaucoup de choses, et soit on met de côté, on met une croix sur cette constitution et on se met dans une situation de vide juridique total et on recommence à zéro. Et je pense, et je pose cette question en tant que simple citoyen, pas en tant que militant syndicaliste, mais surtout en tant que citoyen, est-ce que dans la situation actuelle, dans notre pays, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec nos conditions justement économiques et financières, avec les contraintes du chômage, est-ce que c'est vraiment la voie à prendre pour l'instant? Mais vous parlez de légitimité à la fois, docteur Lies Merabet. Les médias pour vous ont un rôle important dans cette phase cruciale que traverse l'Algérie, puisque nous avons vu que même les interlocuteurs, personne n'arrive aujourd'hui à s'adresser à la population pour un peu organiser ce mouvement qui croit plus aux fake news que l'information qui est aujourd'hui véhiculée par les médias traditionnels. Oui, tout à fait. On est dans une confusion totale. On est dans un débat virtuel. Je parle du réseau des réseaux sociaux et notamment le réseau Facebook, qui a, il faut le dire, qui a été l'outil essentiel, l'outil le plus important utilisé justement dans cette révolution pacifique, la révolution des jeunes, la révolution des Algériens. Il a été pour beaucoup. Mais nous restons sur un débat virtuel dans lequel on retrouve avec beaucoup de plaisir des Algériens à discuter de beaucoup de questions et de toutes les questions sans tabou, et un débat, je dirais, un petit peu dépassionné. Mais il faut le dire, c'est un débat qu'on ne retrouve pas dans la rue, c'est un débat qu'on ne retrouve pas dans les espaces publics. Et là, lorsque je reviens aux médias traditionnels, laissez-moi dire aussi qu'ils ont un rôle primordial à jouer. Et je pense que les syndicats autonomes, par exemple, pendant des années, n'ont pas eu accès justement à beaucoup d'espace médiatique, que ce soit la radio, que ce soit la télé, et notamment public. Et je pense que ce qui se passe actuellement dans notre pays a ramené des solutions à tous les niveaux, a libéré beaucoup d'espace et a libéré beaucoup de gens et d'institutions aussi. J'espère vivement que ça va continuer dans le bon sens. Et c'est dans le débat, dans la discussion, même si on est dans la diversité, dans la divergence, mais c'est uniquement dans cette voie qu'on peut régler nos problèmes et apporter des solutions à même de réaliser justement le rêve de tous les Algériens, aller à cette nouvelle république que nous espérons justement, une république de droit, de liberté, de justice sociale et de prospérité pour notre pays. Être prudent à l'égard des fake news telles que posées que par l'auditeur, docteur Merabet. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que cette expérience que nous vivons actuellement a montré aux Algériens qu'au niveau de l'information, il faut vraiment faire attention et il faut chercher justement au niveau
enfin, au niveau des sources de l'information, de la crédibilité, mais surtout voilà, que ça soit vérifié avant de balancer une information sur le réseau, là, y compris au niveau de la presse. Moi, personnellement, je constate que, y compris les médias, y compris au niveau de la presse écrite, des informations ramassées sur le réseau social qui s'avèrent par la suite uniquement des fakes, des informations infondées qui sont démenties pratiquement une heure après. Et je pense qu'il faut faire attention, rester sur quelque chose d'essentiel en matière d'information et ne pas communiquer n'importe quoi. Alors, les fondements du syndicalisme, je l'ai dit en tout début de cette émission, docteur Mérabès, c'est que le syndicalisme ne peut pas prétendre absorber l'État, il ne doit pas non plus être absorbé par lui. Le syndicalisme, c'est un mouvement professionnel et non politique, doit jouer exclusivement son rôle économique, social et défendre les intérêts de la production et des travailleurs. Est-ce qu'il y a prise de conscience aujourd'hui que, par exemple, notre économie pourrait être affectée négativement par ce mouvement si maintenant, par exemple, des appels à des grèves sont lancés un peu partout, puisque nous sommes, vous l'avez dit au début de cette émission, aussi dans une conjoncture et un moment difficile par rapport à notre situation financière et économique. Docteur Mérabès. Moi, je pense que il y a un citoyen, enfin, une personne âgée, hein, j'ai vu à la télé, qui avait dit, balancer avec toute sa simplicité, hein, une expression qui veut dire beaucoup de choses. Il a dit clairement, on veut un changement, un réel changement, et on est prêt à vivre 5 ans en mangeant uniquement du pain et en buvant de l'eau. Ça, c'est pour dire tout simplement que aujourd'hui, la priorité, elle est au niveau de la condition politique. Elle est au niveau de ce changement qui doit s'opérer dans le calme, d'une manière apaisée et sur des étapes à travers lesquelles les solutions doivent se construire. Mais sur le plan économique, on est tout à fait d'accord avec, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'actuellement déjà il y a des difficultés et plus cette situation dure, plus ça va impacter négativement le secteur économique et nos moyens financiers, parce que tout simplement, y compris les investisseurs étrangers, les promoteurs, vont voir que dans un pays, que ce soit l'Algérie ou autre, là où il y a une perturbation, il y a une tension sociale, il y a une... Donc les gens vont préférer s'organiser et investir ailleurs. Mais je pense que c'est une situation qui ne va pas trop durer, elle ne va pas être éternelle, et nous allons rapidement revenir à une situation de stabilité, et notre pays a les moyens justement de sortir rapidement de cette crise. Alors, appeler à l'arrêt de la production dans les zones pétrolières, c'est un danger aujourd'hui selon vous, docteur Mérabès? Je pense que c'est un élément rajouté à la pression qu'exercent justement les Algériens, parce que les Algériens, c'est aussi les travailleurs. Voilà, les travailleurs organisés en syndicat et d'autres qui ne le sont pas, mais c'est des Algériens aussi qui exercent des pressions sur le pouvoir central afin de ramener des solutions, parce que jusqu'à présent, nous considérons que c'est pas encore fait. Mais bien sûr, aujourd'hui, moi je parle de la configuration dans laquelle on est, nous avons appelé à une journée de grève, une seule journée de grève, c'est pour dire toute la symbolique que nous voulons laisser, c'est-à-dire d'une part accompagner ce mouvement populaire pacifique et le consolider, le renforcer, pas uniquement le vendredi, mais aussi permettre aux travailleurs de sortir dans la rue afin d'organiser des marches et porter toutes les revendications de la population, des citoyens. Nous ne sommes pas en train de parler de la fiche de paie, on n'est pas en train de parler des conditions de travail, nous sommes en train de parler de réels changements, accompagner justement la voix du peuple à travers ces mouvements organisés au nom des travailleurs que nous sommes. Mais effectivement, nous faisons attention, justement, les intérêts du pays priment, et nous considérons que, voilà, à ce niveau-là, il faut être responsable, il faut être cohérent et conséquent dans ce que nous proposons. Il faut s'éloigner un peu de certains courants idéologiques ou certains appels idéologiques aux récupérations idéologiques. Docteur Mérabès, rapidement sur cette question, c'est la question de l'auditeur. Ça, c'est le dilemme de toutes les organisations syndicales, parce que tout simplement, elles sont traversées par tous les courants. Elles doivent justement s'exprimer au nom d'une majorité par rapport aux décisions. Rapidement. Tout à fait, mais au niveau idéologique, pour éviter des récupérations, tous les syndicats font face à cette situation. Alors, nous amorçons aujourd'hui la phase de transition. Il faudrait qu'elle soit le plus court possible. La plus courte possible. Moi, personnellement, trois mois des élections, c'est possible, vous pensez? C'est pas possible. Tout le monde s'accorde à dire cela. C'est pas possible. 3 mois, c'est insuffisant pour organiser des élections. À mon sens, à mon humble avis, ça va aller au-delà des 6 mois. Alors, la garantie aujourd'hui, c'est d'aller vers une présidentielle avec des élections transparentes, c'est important.
Pour moi, c'est, vous dites qu'il faut, voilà, amender c'est le mon avis, électoral. C'est mon avis. Je vois que voilà, d'autres ne partagent pas, mais ça reste mon avis. Personnellement, je suis pour organiser des présidentielles le plus tôt possible. Je l'ai dit, pas moins de 6 mois, avant 6 mois. Mais bien sûr, en réorganisant les choses autour de cette présidentielle, c'est-à-dire mettre les conditions qui permettent, qui assureraient une transparence et enfin les moyens et les conditions de surveiller, d'accompagner ces présidentielles pour que la voix du peuple soit préservée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parmi les personnalités qui sont en train d'émerger, il y a une personne qui pourrait à l'avenir nous représenter dans l'étape actuelle ou dans les futures étapes, docteur Merabel? Mais bien sûr. Les Français, par exemple, si on avait posé la question aux Français, ça fait 10 ans, disons que voilà, éventuellement Macron serait président, la majorité des Français vous auraient dit c'est pas possible, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, les présidents de la République française, c'est le cas aussi en Italie, c'est le cas en Espagne, c'est le cas dans des pays d'Asie, mais en Amérique latine. Ça pourrait être possible en Algérie. En Algérie, oui, il y a des centaines et des milliers d'Algériens et d'Algériennes qui pourraient justement être au niveau des plus hauts postes de responsabilité. Il faudrait sortir de ce carcan et de cette façon de dire les choses. En dehors de nous, il n'y a personne. Alors justement, dans votre communiqué, il y a gloire à nos martyrs, vive l'Algérie, union, solidarité, dignité. Vous refusez toute ingérence étrangère dans nos affaires? Absolument. Il n'est pas question... Vous y veillez, vous m'en avez parlé tout à l'heure. Absolument, il n'est pas question de donner occasion à quiconque de s'ingérer, de s'immiscer dans nos affaires. Je pense que nous pouvons régler nos problèmes entre nous, entre Algériens et Algériennes. Il n'est pas question de laisser quiconque, au nom de, voilà, je le dis, au nom de l'exercice politique, ou de la démocratie. Voilà, au nom de la démocratie et des libertés, je pense que nous sommes assez mûrs, assez conséquents dans nos positions, mais aussi dans nos propositions, pour trouver des solutions propres aux Algériens, comme on l'a fait en 54 et en 62. Docteur Lies Merabet, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est bonne moi. Journée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.